C'est reparti mon kiki. Oh, il est à l'écluse, Nayonnais. On a fait une petite pause, je dirais fringale. Boisson et 2-3 biscuits. Parce que je pense qu'on va déjeuner aux environs de 13h30, voire 14h, c'est-à-dire dans quasiment 2 heures. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma poche? Ah oui, merde. J'ai gardé mes papiers là, moi. Je suis soulagé de mes clés et de mon téléphone normal, que j'ai mis directement dans le sac et pas dans mon froc, dans mon pantalon. Mais j'ai zappé le portefeuille. Bon, moi je suis conscient de l'avoir sur moi. C'est pas plus mal. Moi je le rangerai à la pause déjeuner. Ce qui est pas plus mal. Au fur et à mesure de la promenade, je m'allégerai. Enfin, je m'allégerai au niveau du pantalon. Tout sera dans le sac. Ah là 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 là. Eh ouais. Donc c'est en une fait, ancienne gare ferroviaire. Non, c'est faux, c'est une gare à cours d'eau. tu sais qu'on pourrait croire que c'est une gare ferroviaire avec ce qu'on appelle les gardes-barrières. Bah tiens, une maison de garde-barrière, on en verra une quand on fera la voie verte avec le coup des chevaux dont je t'ai parlé. Ouais. Il y a une histoire liée, elle est à la Saint-Christophe. Et tu m'as dit que le centre équestre se trouvait où? Ah, le centre équestre que j'ai contacté? Oui. C'est celui qui était à Brabois. Ah, d'accord. J'en dirai pas plus. J'en ai même déjà trop dit parce que vous pouvez l'identifier du coup. Mais je crois que ça doit faire une semaine que je les ai contactés. J'ai pas. Ils m'ont méprisé, je crois. Mais bon, on verra. Peut-être que j'aurai un courriel sauvage de réponse dans l'été, au courant de l'été. Lézard. Un petit lézard. Il est à l'ombre. Il se croit qu'il est protégé du soleil, mais la queue qui dépasse. Alors, j'ai remarqué que c'est des bêtes-là. Je m'en dis qu'on. Quand j'étais gosse, il y a certains lézards qui manquaient la queue parce que c'est fragile, ça casse, mais ça les tue pas en fait. Exact. Exact, exact. Tu zoomes dessus? Oui, j'ai zoomé, x10. On le verra en très pixelisé. Je vais s'approcher doucement peut-être. Il va avoir tellement peur qu'il va se barrer soit dans les circuits, tu vois, il hésite. Il voit que je suis une menace, donc il a peur, il anticipe. Mais s'il saute dans les circuits, il va finir dans l'eau, peut-être électrocuté, donc on va arrêter. Ouais. Donc des cerises rouges foncées. La vache. Bah ça m'a l'air d'être un chemin de. Tu vois, il y a des barrières, donc pour moi c'est un chemin de traverse. C'est juste qu'ils l'ont plus entretenu parce qu'on est loin de la ville. Je regarde la meurtre, elle est juste là, je crois, de l'autre côté. Ah oui, je crois qu'elle est là-bas, la meurtre. Elle est de l'autre côté. Attends, la perche, je ne peux pas suivre. Si, c'est ça. Ben on regardera sur plan, Nayonnais, parce que je ne connais pas cet endroit, géographiquement parlant. Je crois que... Je ne pourrais pas dire. On va tenter de passer par là. Et si on ne peut pas aller plus loin, ben on sera obligé d'aller par là. Parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas venu. Ça, c'est un chemin de terre. Oui, c'est un jeune marqué de une propriété privée. Oui, ben j'allais dire, ceux qui sont installés là, c'est original. La même chose dans Minecraft demain. Eh ben. Par contre, c'est un jardin, tu peux pas faire entre guillemets ton nudiste. Si t'aimes bien être très gaulois et faire bronzette, t'as du monde qui peuvent passer là où on est en champ de promenade. Et à l'opposé, alors certes, il y a quelques haies, mais elles sont légères. Et il y a la route qui passe, alors. Alors que, comme je vous avais expliqué les hauteurs de Malzéville, bon, avant qu'il y ait la voie de contournement, là où on passait pour le plateau, avec la scène des Japonaises qui avaient vu des. Français dans leur tenue d'Adam. Eh oui. Là, niveau pudeur, c'est raté.
Ouais. Sèche la bouche. Oui, fait, fait. Alors, comme le sol est assez abrupt, on va dire, enfin brut, pas caillouteux, pas j'allais dire tamisé. Oui, l'idée d'un tamis. Du coup, là, on marche plus lentement parce que. Oui, sinon on va se péter la. C'est ça. On n'a pas envie de faire de grandes enjambées. Donc, tu vois, ton idée, on marche trop vite, là, naturellement, on est. Bridé, pas le bon terme, on est ralenti. Ah oui, le chemin il va sur la gauche. Alors ça c'est les chemins de. Je crois qu'on appelle ça les chemins de délestage. C'est quand l'embarcation fluviale. Merci. Fluviale n'a plus de motricité. Et en fait, on utilise le long de la berge un engin qui permet de tracter. Alors dans le bon vieux temps, c'était des calèches, des chevaux, voire des bœufs qui aidaient à tirer. Évidemment, aujourd'hui, c'est tout ce qui est motorisé. Mais je crois que c'est ce qu'on appelle les voies de délestage. Vérifier. On entend un clocher et un avion. Je vais passer derrière toi pour rester sur le petit chemin. Ah, c'est ça, soit tu restes derrière moi, soit tu es devant moi et je te filme. Tu filmes l'arrière ? Ça me fait ni chaud ni froid. Je pense même que les spectateurs sont amusés de te voir en mode jeu vidéo Lara Croft, là, de te voir avec le sac à dos. Enfin, tu fais comme tu veux. Non, je suis bien derrière. Après, oui, on peut me filmer, oui, c'est vrai. Ouais, c'est rigolo. Je t'ai convaincu. Et d'ailleurs, on voit que t'as un marcheur parce que je vois que t'as l'arrière de ta jambe droite qui est sectionnée en surface. T'as une belle écorchure ou alors c'est une marque d'affection de ton félin de salon. Voilà, c'est ça. Ah la vache, si t'as bien griffé. Ou alors c'est peut-être un. Oui, ils ont mis dans trois langues. Ouais, non, non, ouais, c'est en anglais, en allemand et en français. Ah, monsieur Erré, Emmanuel Erré. Ah, on pourrait croire, excellent. On pourrait croire. Ah là 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 là. Ouais, on a la fraîcheur de l'eau, mais c'est vrai que le chemin est goudronné en contrebas. Mais... Il y a quand même 2,5 mètres de dénivelé hein, à l'abrupt, donc tu sais, qui voit sauter un mur. Oui, bien sûr, j'ai pas envie de me briser les chevilles, voir autre chose. Alors, dans Tomb Raider, ça serait passé, et encore,
Je pense qu'honnêtement, là, Croft, qui est surhumaine, aurait grignoté un peu de sa barre de vie. Mais alors nous, c'est c'est presque toute notre barre de vie qui va en un coup sauter d'un étage. Nope. Finalement, on est bien sur cette voie. Parce que quand tu vois les cyclistes passer joyeusement en contrebas. Non, je vois pas pourquoi j'ai enlevé ma casquette, il fait encore de l'ombre. Ah, là, le soleil retape. Hop, casquette. Oh, c'est beau! Oh, que ça me plaît! Oh, que je suis heureux! Ouais, on voit hein, qu'il fait déjà chaud. Hein. Mais je sens qu'en fait, ici, ils ont tondu. T'as vu, il y a des c'est éparpillé, l'air tondu. Ouais. T'as une couche d'air tondu et l'herbe est moins haute. Exact. On est passé au bon moment, un peu après la ponte. Ouais. Ils ont fait un fauchage, ouais, pour l'entretien des voies. Par contre, je suis incapable de dire à qui appartient le clocher là-bas. Je sais pas, c'est. On n'y est pas encore. Tu crois? Bah, la cheminée là-bas, c'est la cheminée de quelle ville? La grande cheminée industrielle? Je connais pas. Mais je la reconnais, c'est la tour Eiffel, nous sommes déjà à Paris! Non, franchement, magnifique. Je refilmerai ça encore mieux au retour. C'est un bac de rétention, truc jaune là. En fait, c'est une pente et au-dessus, dedans, il y a de l'eau. Il y a des produits chimiques bluofluo. Non, sérieux? Ouais, je crois. Faut regarder sur Google satellite là. Parce que le canal, en fait, il traverse bien droit. Du coup, on va très loin. Ok. Oui, en général, vu le coût et l'intérêt d'un canal, ce serait con qu'il y aille en zigzag, excuse-moi du peu. J'ai un petit virage, mais pas tout le temps. T'imagines tous les gars en péniche qui doivent slalomer. Ils deviendraient fous à la barre. Mais c'est quoi ce canal de merde? Exact. Non, mais c'est. Non, mais oui, non, mais c'est. Hérésie. Même en montagne, ils font en sorte que ça ne se produise pas. En montagne, il y a des péniches, hein? Je comprends pas. Bah, il n'y a pas beaucoup de canaux qui doivent être aux environs de 2 km d'altitude. Ça doit peut-être même pas exister à travers le monde, je ne sais pas. À voir, mais de toute façon, au départ, il faudrait déjà trouver l'eau. Donc forcément, en amont, c'est que des petites sources, hein, ça va de soi. Et qui plus est, pour le confort de navigation, ce serait presque, faudrait vraiment justifier l'intérêt d'investir d'un canal en zone montagneuse, puisqu'il y aurait écluse sur écluse, puisqu'il y aurait obligatoirement un dénivelé abrupt. Donc ce serait d'un chiant.
Ça coûterait la peau des fesses et pour manœuvrer, ce serait... Ce serait amusant de connaître l'altitude. Tiens, tu vois, c'est une question à poser à Wisebot, là, la fameuse IA. Quelle est l'écluse de canal la plus perchée au monde? À quelle altitude se trouve-t-elle et dans quel pays? C'est là où il va nous répondre au Pérou. Nous avons Paul Tel Glouglou à une altitude de 2400 mètres. Alors, est-ce qu'on peut passer en dessous? Parce que là, on peut regarder le chemin. La bande cyclable. Mais, on va continuer un peu pour voir, parce que si je connais pas du tout en fait. Chaque fois j'allais par là. J'aime bien faire dans la réalité ce genre d'exploration à la Far Cry ou à la Minecraft. J'adore! Vive les promenades! On s'explore. C'est ça. J'avais un souvenir coquin de quand j'étais en BTS. Parce que là on marche quasiment dans les herbes qui me font penser à du foin. Une bonne copine, pareil, donc j'ai malheureusement perdu contact, qui m'avait évidemment tout sourire parce que c'est tout mimi, tout fleur bleue. Sa première fois, elle l'avait fait dans une grange sur du foin. Oh, il y a un côté romantique. Bah oui. Puis comme je dis toujours, on se connaît mieux après. Non, c'est pour moi, c'est du paquet de bonbons là. Tu reconnais le paquet de bonbons, le siège? Ça fait peur. Oui, ouais, ouais, non, mais pollution, Burke, oui. Non, là, ça fait peur, ça fait pendu, c'est horrible. Ça me met mal à l'aise, la corde qui pendouille. C'était en combien de lettres? C'est glauque. C'est horrible. Ah oui, mais le pendu. Le vieux pendu. Voilà, merci, t'as compris ma vanne, humour noir. Pour être aussi comme un prince. vous êtes avec des coupes de champagne au bout. Oh, c'est le mec qui fait un chantage éhonté. J'ai le bras long, je connais le maire. Vous aurez plus de subvention si vous exécutez fort. L'horreur. Les fameux tours, 1, 2, 3, 4 faces. Non, mais c'est bien qu'on continue sur la voie haute le long de la berge de canal. Je préfère ça que le côté béton où il y a les cyclistes qui passent comme des coureurs du Tour de France à plus de 50 km/h. Parce que regardez, voilà, je fais une petite pause pour filmer là. Vous voyez, on longe une piste cyclable. Bah, tiens, d'ailleurs, ouais, c'est pauvre. Ouais, c'est pas... J'avais pas vu que c'était barré. Putain, faut que vous voyez ça, je suis mort de rire. Mais oui, tout est barré. Qui était arraché par des sauvages. Ouais. En fait, en train de passer, mais peut-être pas arrivé là-bas. Bah, ils avaient qu'à barrer en dessous. Ouais. Ah oui, c'était barré, comme tu dis, il y a des sauvages qui ont cassé le. Ah, Vlac, maintenant que tu dis, tu vois, j'aurais pas eu la culpabilité si je m'étais pas retourné. Parce que j'aurais pas interprété le. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va ou on y va pas? Bah on y va, excuse-moi. Okay. Non mais ouais. Où est le danger, honnêtement? En plus, d'ailleurs, tiens, remarque importante, vu la situation avec la sécheresse et le risque d'incendie. On est pour dire qu'on est des randonneurs respectueux des lieux. Bon, vous nous connaissez, évidemment, on conserve sur nous nos déchets. On n'est pas du tout pollueurs, mais on n'est pas clopeurs, on n'est pas. Moi, au minimum, je fais attention avec mes batteries, mon électronique. Je gère consciencieusement tout ça parce que il y a un risque d'incendie. Il faut faire attention. Là, très mauvaise idée, par exemple, de jeter son mégot à terre ici. Ce que je veux dire, le danger peut aussi venir pas de s'écrouler ou tomber les arbres, tout ça. Il peut aussi y avoir des serpents. Donc, j'ai déjà vu des serpents qui étaient près du canal, près d'un cadre avec un cours d'eau. Bien au milieu. Faut être attentif. J'ai pas envie de plaisanter là-dessus, mais voilà. Hein. On n'est pas en Afrique ou en Amérique où carrément t'as des serpents qui te tombent depuis les arbres. Qui te tombent littéralement dessus, justement, c'est leur technique de chasse.
En même temps, je dois avouer qu'on a la paix. Je suis là. Oui, j'ai entendu un don. C'est moi. Ah, peut-être un poisson qui a fait une touffe. Il n'y a pas d'onde en surface, donc ouais, c'est pas ça. Je me marre encore de t'avoir fait découvrir l'astuce de nos sacs avec le câble au-dessus. Ouais, le câble, c'était juste une petite poche, mais en fait, c'est un trou qui traverse. On en fera, si tu veux, une démonstration à notre pause déjeuner, qu'on sera posé, que nos téléspectateurs comprennent ce qui m'a fait rire ce matin. Non, mais le reproche que je pourrais te faire quand même, c'est que tu as la chance d'avoir un sac de qualité. Nous avons la chance, chacun, d'avoir un sac de qualité. Et de ne pas en exploiter toutes les caractéristiques, c'est quand même dommage. Parce que ça, c'est franchement bien, bien pensé. Ah là là. Bon, c'est bien, je t'aurais appris un truc. Ouais. Comme on dit, tu vas t'endormir ce soir moins idiot que t'étais la veille. Je n'oublie pas. Mais non, t'oublieras pas. Eh non. Ah. Elle est pas mal celle-là. C'est marrant, quand je fais la promenade, dans les moments calmes où je me tais, je peux pas m'empêcher de passer en mémoire les bons moments qu'on a eu tous ensemble sur Twitch. Mais pas mon canal à moi, chez vous, respectivement. Je pense à Bastos, Christella, par exemple, Torota, etc. D'ailleurs, j'attends que le 4 juillet, il y a les résultats du bac qui tombent. J'attends que Edge m'apporte la preuve qu'il a bien eu son bac. Comme je connais son identité réelle, il faudra qu'il me transmette photo de son nom dans le journal. Et là, il y aura conséquences heureuses. Il y aura sanctions heureuses pour obtention du précieux diplôme. Mmh. Ah oui, je lui ai promis. Ouverture de porte. Ouais, je tiens. Il a dit son oral de. Je sais plus quelle matière, ça s'est déjà bien passé. Le grand oral, c'est bien, c'est cool. Bah, normalement, anglais, il est à l'aise. Et ce qu'il n'aime pas, c'est la philo. Ah. Et surtout que cette année, les sujets de philo, j'adore les regarder chaque année. Là, ils étaient relevés. Oh la vache! Ah. Aussi bien filière professionnelle que générale, j'aurais peut-être merdé si j'avais eu ça à mon époque. Bah, ils donnent des trucs de philo qui sont valables pour des gens qui ont 50 ans parce qu'ils ont de l'expérience. C'est vrai que c'est un peu abusé. Ouais, enfin bon, bref. Mais. On a moins d'expérience, donc on a moins de connaissances. Quand on est jeune, on a beaucoup de connaissances. Mais on n'a pas les connaissances pratiques de la vie, du monde du travail. Donc la philosophie, ça se fait plus tardivement. Quoi. T'as pas besoin d'attendre le monde, entre parenthèses, horrible, du monde du travail, pour apprendre à philosopher. Moi, j'ai vite appris à philosopher dans mes premières années, rien que socialement, en étant dans les établissements scolaires. J'étais pas scolaire comme gamin. Oui, mais c'est le monde professionnel pour toi. Oui, après, oui, quand tu deviens adulte, obligatoirement. Mais non, c'est l'idée de se sociabiliser et de se en prendre plein la poire. Non, j'ai eu très vite, très jeune, apprendre à être philosophe, hein, parce que, dur. Est-ce que tu te souviens, toi, sur quel sujet t'avais planché en philo au bac? Alors,
la question t'ennuie, oui, Joker. Oui, oui. C'est d'accord. Joker. Non, mais je comprends. Non, mais. Non, moi, j'avais eu que peu la raison pour exclure la violence. Ah. Et je m'en étais bien tiré. Alors, j'adorerais aujourd'hui avoir un exemplaire archivé de ce que j'avais pondu à l'époque. Mais non, c'est pas possible. Je crois que l'éducation nationale garde les copies 10 ans, un truc comme ça, et après ils s'en débarrassent. Et je crois pas que t'aies le droit de consulter tes propres... Même après avoir fait l'examen. Il faudrait que je demande aux personnes que je connais qui bossent dans l'éducation nationale. Mais bon, bref, peu importe. J'avais du bol, je m'en étais bien sorti, j'avais eu 16. Et j'avais adoré, j'avais kiffé le sujet. Que peut la raison pour exclure la violence ? Devenez pacificateur. C'est con, mais c'était ça dans l'idée. Non, mais c'est vrai. Ça, les pacificateurs, c'est dans un jeu vidéo. C'est des soldats avec un fusil à pompe dans Commander Conquer. Alerte rouge 3. Pomp. Je combat pour la paix. Pomp. C'est ça. Pareil, dans ton jeu Commander Conquer général, c'est les tanks. Paladins. Ils répandent la paix. Ils combattent pour la paix. Hein. Ouais. Mais pour revenir à ton sujet de filon, oui. Bon, j'ai rebondi sur le Command & Conquer général jeu vidéo. Faudra que je retrouve ma boîte. Mais un jour, sur mon antenne, obligé. Parce que j'avais adoré. Ah, maintenant que je suis couille dans Abandonware, je peux peut-être tricher en le téléchargement, tiens. Oh, faudra que j'essaye. Mais tu l'as déjà? Oui, je l'ai déjà. Mais... Ah, pas de CD. Voilà. De CD. Pour éviter de me faire suer, parce que sûrement dans un carton pour mon futur déménagement, là, qui est perpétuel depuis la pandémie, il doit être bien rangé. Et bref. Non, je crois que je peux le télécharger, il est déclaré Abandonware depuis un petit bout de temps. C'est le Renegade, le seul Command & Conquer qui est fait en first person shooters, avec une partie de gestion justement. Mais c'est génial d'incarner un soldat et de voir l'intérieur des bases que tu joues habituellement dans les Command & Conquer classiques. J'ai adoré, quand le jeu est sorti, que j'y ai joué, j'ai adoré et je sais que je vais reprendre mon pied et jouer avec vous en direct sur Twitch. Ah oui. Moi j'avais vu dans le magasin, je dis est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Puis j'ai dit mais j'aurais dû le prendre. Tu t'en fous, tu fais ce que je viens de te dire. Ah oui, bah voilà. J'ai dans le magasin et puis j'aurais une belle boîte avec le beau jeu. Ouais, bah ouais. Original. Donc moi j'ai eu cette chance de pouvoir y jouer au moment de sa sortie. Mais j'avais le bon ordi et j'avais des sous-sous pour me l'offrir. Ah oui, il a compris qu'il fallait. Bah oui. Surtout que la FPS, c'est pas. Les exigences graphiques sont assez régulières. Il y a peu de variations pour un jeu de stratégie où quand il y a plein de monde, bah, ça rame. Surtout c'est quatre jeux qui rament encore plus. Les jeux qui n'ont pas le même nombre régulier de polygones affichés à l'écran. Des polygones qui s'ajoutent en plus. Ouais. Oh, ah, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà pourquoi c'était interdit de passage. Je crois que c'est des branches qui sont tombées sur... Ouais, et quand il y a plus que des branches, bah on est dans la merde. C'est bouché là-bas. Bah c'est pas comme s'il y avait un arbre qui était au travers de notre route et qui est en train de faire trempette dans le canal. Ah oui. D'ailleurs c'est con, mais ça a dû poser problème pour la navigation. Ah oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de péniches qui sont passées depuis tout à l'heure. Ouais. Ah ouais. Alors ça, tu vois, je n'avais pas l'info. Il faut les sous pour enlever tout, quoi. Ils ont fait un petit feu. Oui, chose à pas faire, mais ah bon. Non. Voilà pourquoi c'était condamné. Et quelqu'un a déchiré ta remarque qui était pertinente tout à l'heure. Je comprends mieux. Oui, j'ai parlé d'arbres tombés ou de canaux qui s'effondrent ou de vipères, mais là c'est des arbres en fait. On va voir. Et on a combien de temps de vidéo? La moitié, une demi-heure. Ben voilà, ça doit pas être de bien dans le sens. Ah, si tu penses qu'on... Oui, toi, tu pars déjà défaitiste. Bonjour. Faites demi-tour, s'il vous plaît. Ah, c'est totalement condamné. Ah, ouais, là, il y a des barrières, c'est pas pour rien. Les barrières étaient effondrées, en fait. Ouais. Ah, c'est impossible, il y a personne qui passe depuis tout à l'heure. Bah, justement, on doit être les premiers. Donc, ouais. Est-ce que vous nous autorisez à remettre en place la barrière qui était sur le côté arraché? Parce qu'on l'avait pas interprété comme telle. Pour passer dans l'autre sens, là, ouais. Parce que pour vous dire, la partie haute quand on s'est retourné, on avait vu le côté routier. Mais écoutez, nous piétons, vous voyez, on est le long de la berge. On voyait bien le piquet.
mais l'ensemble avait été arraché. Moi-même, j'étais interrogé par voir une corde qui pendouillait du pont, mais il n'y avait rien au bout. D'accord, ouais, bah non, c'est, de toute façon, tout est bloqué au bout, là, vous ne pourrez pas passer. Ok, merci, on rebrousse chemin. Merci, okay. Bonne journée, merci. D'accord, effectivement, tu avais bien interprété. C'était bien une voie condamnée. Ah merde! Donc du coup, ça va. Va falloir qu'on prenne une intersection en fait, de. Il y a la voie de la meuf qui passe. C'est peut-être un chemin long, hein, tout ça. Ouais, ouais. Mais c'est bien que tu aies insisté, parce que moi, je lui ai dit, écoutez, je lui ai dit la vérité, je lui ai dit que la barrière était tombée. Bah oui, bien sûr! C'est possible, et toi, t'as vu qu'il pourrait essayer de prendre le dessus. Ouais, ouais. Et du coup, ben, toi, tu les as rappelés à l'ordre en disant bien ce qui s'était passé, en mettant un ton ferme. Ça, c'est très bien. Bah, je suis bien obligé. Ouais, il faut bien qu'on justifie, parce que on n'est pas là pour s'affranchir des règles et des interdits. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Oui. Donc, voilà, il m'a autorisé à remettre en place. Il va falloir qu'on remette en place la barrière qui était pétée de là où on est passé. Donc, tu avais bien interprété la scène, contrairement à moi. Ouais. Bien vu. Ouais, ouais. Okidoki. Ah oui, c'est contradictoire du coup. Ouais, bah il y a un ego qui a forcé le passage en fait. Ah. Aïe 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 aïe. Tu vois que j'ai pris l'assurance de parler bien fermement au gars. Oui. Clairement le problème, ça a résolu, ça a direct dé- oui, 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 oui. Ça a montré que tu ne t'essayes pas marcher sur les pieds. Diplomatie, art de parler. Ouais. Ferme, mais courtois. Ouais. Tu sais, ou d'une autre manière, main de fer dans gants de velours. Ouais. L'expression imagée. Ah. Non, toujours courtois, rester zen, mais effectivement. De toute façon, j'avais les arguments, j'illustrais mon argumentation en disant votre truc, il n'est pas en place, il a été déchiré. Ouais. On ne pouvait pas l'interpréter normalement. Donc. Ah oui. Et voilà, tu vois, je suis resté ouvert en relançant, en lui disant, est-ce que vous m'autorisez exceptionnellement à remettre en place une fois qu'on sera repassé au-delà de la limite. Tu vois, il m'a dit oui, il m'a dit ok. Ah oui, il ne faut pas s'en faire pour si peu. Ouais. Après, si t'avais pas pris dessus, je pense qu'on aurait eu des petites amendes parce qu'on n'était pas passé à l'échelle. Là, l'agent là, il n'était pas sermenté. Oui, puis c'est bien. Si j'aurais pu appeler un truc. Oui, oui. Bon. Il y a des trucs, tu prends certaines voies, tu peux sentir. Si tu prends l'honnêteté et la gentillesse, ça ne marche pas dans cette situation que tu peux avoir. Mm. C'est pas loin. Oui, 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 oui. Mais c'est pas grave, on fera une bifurcation. Non, bah, il y a un ego qui a forcé le passage. Ça, par contre, c'est pas bien du tout. Bah oui. Ah là là là. Aïe, 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 l'aventure, c'est l'aventure, comme on dit. On est complètement à l'aveuglette. Bon, bah, je te laisse déjà réfléchir, quel trajet tu veux qu'on observe? Bah, on va prendre le long de la Meurthe, un peu. Ok. Et on devrait trouver un banc pour manger. Ok. Qui me fait marrer dans notre organisation, mais je me dis que c'est pas plus mal, ça nous fera de la réserve quand on va s'enfoncer dans la mauvaise saison. Qu'est-ce qu'il y a? Finalement, le comité d'accueil, c'était pas du champagne, c'est ouais. C'est inventé. Ouais, par rapport à ta vanne, ouais. Harmonie, hein.
Ah ouais. Donc, ce qui te fait. J'ai perdu ce que j'ai ton fil. Je te laisse prendre conscience qu'on est en train d'enregistrer cette cinquième balade alors que j'ai pas fini de présenter la quatrième. Ah oui. Oui, ah, oui, c'est vrai, oui. Bah, oui, ça fera encore. Bah, c'est cool. Trois dimanches. Parce que avec le décalage, ah oui, pardon, bah oui, hein, vous savez que là, je suis là qu'un dimanche sur deux en ce moment, je profite quand même de la belle saison, oui. À ma manière aussi, et je vous invite à en faire de même. Du coup, je pense que par un effet de glisse dans le calendrier, nos dernières balades que je les présenterai à l'automne, voire à l'hiver, c'est pas plus mal, ça fera durer le plaisir. Je suis pour. Alors, réparer la barrière qui a été sabotée. J'ai pas de tissette sur moi. Comment on va lui rafistoler sa barrière? Parce que moi, je te parie ma main à couper que s'il y en a qui observent le même trajet que nous, ils vont être dissuadés de se dire, ah bah tiens, ils ont toléré l'ouverture sur la berge à l'extrême et ils ont condamné que la partie bétonnée, goudronnée, comme je l'avais interprété moi par erreur tout à l'heure. Même d'ici, on voit la corde qui pendouille du pont. Il y a vraiment de quoi se poser des questions. D'ailleurs, il m'a pas donné plus d'éléments, le monsieur. Il voulait pas s'éterniser sur le sujet, mais... Oui. Tu l'as fait un peu secouer dans l'autre sens. Il a essayé de me secouer, toi tu l'as secoué dans l'autre sens. Bah, constat à faire, malheureux, quoi. Oui. J'entends bien ce qu'il nous a dit, mais si le balisage tient pas et a été saboté par quelqu'un avant nous... Après, faut pas s'étonner si on fait une mauvaise interprétation. Oui. Non, mais en même temps, je les plains parce que, comme c'est des agents qui bossent sur des longues distances, des grosses surfaces, et effectivement, la réglementation veut que tu respectes des distances, surtout au niveau du côté de la route, tu sais, les fameux 50-150 mètres de balisage pour annoncer des travaux ou une voie. Bon, là, c'est un peu différent, c'est cyclisme et piéton, mais il n'empêche que tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Bah là, désolé, mais ça a été saboté avant notre arrivée. Donc on a été induit en erreur. Ça claine du boudin. Samedi, on a fait le point de passer, mais c'est fondre, c'est à moitié passé. Ouais, bah je me demande même s'il n'y a pas un foufou qui a forcé carrément en étant sur son vélo et qui a tout explosé. Ouais. Je pense qu'il y a suffisamment d'écervelés dans ce monde. Pour qu'il y en ait un qui dit oh je vais m'amuser à ça passe ou ça casse. J'ai dit la barrière est défoncée, il dit non elle est pas défoncée. Ça j'aime bien quand on a parole en doute, ça donne. Ça met mal à l'aise. Hein. Ah oui, ouais. Ah, oui. Tant que t'es honnête et sincère, ça se passe bien. Mais il a pas vu la sincérité, le gars. Hein. Oui, bon. Oui, tu te remets en cause, toi, par rapport à ton propos. Surtout que lui, ouais. Son boulot, c'est pas gendarme, c'est agent technicien. Hein. Oui, mais donc, il est pas assermenté pour faire ce genre de remarque. Hein. Non, si, non. Il peut dire, faut pas aller là. Normal. Et oui. Mais son boulot, c'est si ça déborde, c'est les flics qui viennent, quoi. Oui, après, il peut. Si effectivement il y a dissidence, oui, effectivement. Comme tout citoyen, il a le droit d'appeler les forces de l'ordre pour faire autorité de loi. Mais c'est son devoir de nous prévenir en tant qu'agent. Écoutez, il y a des travaux ici, il y a danger. Oui. Mais nous donner des ordres. Oui, non, mais là, il l'a fait de manière. Un peu diplomate. Il l'a peut-être dit de manière un peu sèche, mais je peux comprendre d'ailleurs qu'il s'en agace, parce que justement, il était persuadé que le balisage était encore en cours. Non, moi, je me pose toujours la question de comment on va faire pour remettre son balisage en place. Parce que là, le truc est bien arraché du côté pont. Oui, on n'a pas les outils. Hein. Bah, on va observer. C'est arraché. On va observer. Mmh.
Il a rien à voir. J'ai menti, hein? Non. Comment on va remettre en place tout ça? This is the question. Ah, bah tu vois, je l'avais même pas remarqué. Peut-être le vent. Le vent, bah dis donc. Bon, bah, attends. Tiens-moi la perche, s'il te plaît. Bah tiens, c'est leur fin de vidéo marrante, ils vont voir le sage en train de faire les travaux. Merci. Attends, ça zoom. Alors, on va mettre un peu de tension. Je sais où la zoom. C'est-à-dire qu'on va d'abord l'accrocher dans un premier temps comme ça. Ça ne bougera pas. Il faut coincer avec le truc rouge, je pense. Attends, oui. Attends. Je vais faire semblant de ficeler ça, que ça ne bouge pas. Voilà, là, ça ne bouge pas. Normalement, il n'y avait pas... Ouais. Parce que de l'autre côté, c'est accroché tout simplement, en fait. Ouais. Bon, après, il y a la ronce qui peut aider, éventuellement. Voilà. Regarde de l'autre côté. Ça va bien dissuader. Quoi, ça s'est arraché? Non, c'est pareil. Non, mais c'est bien. Là, on comprend. Là, on comprend. Ouais. Merci. Voilà. Tiens, récupère ouais, la perche. Je reprends la perche. Et c'était zoomé à deux. Oh ouais. J'avais même pas vu ça. Tu vois, à quel point on passe trop vite sur certains endroits dangereux, potentiellement. Même ça, je l'avais pas vu. La sanité écrit sur le tuyau. Oui, le hein. Bon. C'est pas l'AMSI des horreurs qui m'intéresse. C'est la vraie signalisation. Je l'avais même pas vu. Ouais. De monter sur le. Ouais. Parce qu'en fait, oui, ils ont. Il y a du courant électrique qui passe dans le tuyau. En fait, c'est des gros câbles de. Bah, les lignes habituellement suspendues, comme on voit là-bas au loin. Là, on a la version au sol, mise dans un gros tuyau. Et bah voilà. Et bah, elle est pas mal celle-là. On aura appris un truc. Bon bah, je t'invite à ouvrir grand les yeux, mon cher Nayonet, parce que visiblement, je suis pas fichu de bien interpréter les sabotages. Aïe, aïe, aïe. Bon, on aura fait notre bonne action de la journée. C'est ça qu'il faut se dire. Plus si je demande des preuves vidéo, on a la preuve à l'appui. Hein. M'en parle pas. Voilà. Quand je pense que la première fois que j'ai regardé une vidéo sur Internet, bah, je crois que c'était Twitch, mais il y a des années de ça, un gars qui s'amusait à filmer en temps réel ses promenades dans la ville, le mec, il était... Je pense que c'était pas un gars de Singapour. Je crois que c'était un... Non, c'était un Hongkongais. Le mec était de Hong Kong. Et c'était trop bizarre. Mais le gars, franchement, je trouvais qu'il était sans gêne. Parce que... Il faisait sa vie. Moi, je revois le mec qui prenait le métro à Hong Kong. Et évidemment, les passants le regardaient interloqués en se disant « Mais c'est quoi ce gugus avec son gros sac à dos et ses perches et ses caméras partout ?» En fait, ils devaient pas être conscients qu'ils étaient filmés. En direct sur internet, quoi. Ah, c'est quoi le petit poteau là-bas, regarde. Donc, le droit à l'image, c'est peut-être un puits, non? Ou un point de récolte d'eau? Ouais. Et le droit à l'image à Hong Kong, tu peux te le mettre là où je pense, hein, visiblement. Mais j'ai le fameux effet de paysage qui se concentre quand je regarde. Quand on force de marcher, quand on s'arrête, au bout d'un moment, tu as le paysage qui part vers l'avant. Ok. Je sais pas si tu as cette impression, mais moi, c'est ce que je fais. Un peu. Ouais, j'ai zoomé sur ton dit tuyau qu'ils le voient. Ouais. Et moi, je zoomais sur le clocher là-bas au loin. Donc, d'après toi, ce serait Ars-sur-Meurthe. D'accord. Allez, on continue. Le mec, il a menti délibérément alors que tu es en train de filmer. Je trouve ça trop fort. Non, mais il a peut-être même pas pris conscience que j'étais en train de filmer. Vu son angle de vue, là, il était en contre-plongée à nous voir. Il a peut-être pas dû comprendre que je tenais une perche caméra. Mais bon, bref. De toute façon, je l'ai pas filmé, l'intéressé, donc il n'y a aucun risque. Ouais. On a juste le son, c'est très bien. Ouais. Oui, t'en fais pas. Mais je reconnais que ça peut intimider, c'est sûr. Voilà, bon, bah, moi, je suis très facilement intimidable. Oui, j'avais cru comprendre. Ouais.
Oui, on peut le dire, le problème est derrière nous, exactement. Oui, ben on va bifurquer là où on voit la baraque avec la petite véranda. Ah tiens, en parlant de véranda, c'est triste. Il y a un homme jeune retraité là qui avait près de 70 balais. Les dernières ondées orageuses qui ont traversé notre pays. Le malheureux s'est retrouvé dans sa véranda au moment où il y avait l'orage. Et un arbre est tombé dessus. Le malheureux a fini écrasé comme un insecte. Paix à son âme. Ça, c'est triste. Ah! Pour revenir sur l'actualité, malheureusement triste. L'explosion au gaz à Paris, 5e arrondissement, là. La personne qui serait portée disparue. J'en ai appris un peu plus. Au début, j'avais compris qu'il y avait un jeune homme qui faisait un appel de recherche pour sa tante, dont il a un bushing de vie, et qui normalement travaillait dans le quartier. Et j'ai eu des précisions ces dernières 24 heures sur la malheureuse supposée victime. Donc, il n'aurait toujours pas, serait pas parvenu de retirer son corps des décombres. Ce serait une des profs de l'établissement scolaire qui abritait le bâtiment, l'académie de mode américaine, là. Et justement, ils étaient entre profs, et heureusement qu'il n'y avait pas les élèves à ce moment-là, lors du drame. Mais Gérard Darmanin, qui avait fait son point presse peu de temps après la procureure de la République, il avait notifié le caractère miraculeux de l'incident à déplorer. C'est que en face, l'immeuble qui a pris feu suite à la déflagration de gaz abritait en fait une école ou une crèche où les gamins habituellement apprennent en bas âge la musique. Par chance, l'explosion a eu lieu en début d'après-midi, un mercredi, quand les gamins n'étaient pas là. Ce qui aurait pu, à l'inverse, tu sais, alourdir le bilan de manière vraiment dramatique. Et ben, même chose avec l'école de mode américaine, dont le bâtiment principal a explosé. Les élèves n'étaient pas là et les profs étaient en train de préparer ou d'observer, de ce que j'ai compris, un défilé de mode quand le drame s'est produit. C'est juste à côté, ils sont morts tous morts. Bah, y a le proviseur, le responsable local de l'établissement, qui est entre la vie et la mort. Il est hospitalisé dans un sale état. Il fait partie des blessés graves, mais il n'est pas encore mort-mort. Bon, c'est sûr, hein, c'est pas cool, mais bon. Tu dis que c'est dans les USA, ça? Non. À Paris? Oui. D'accord. J'ai peut-être été confus dans mon propos. L'explosion à Paris, dans le 5e arrondissement, le bâtiment était acheté par les Américains Ah, ok. qui en ont fait une école de mode. D'accord. C'est pour ça que je confonds France et États-Unis d'Amérique. D'accord. Et bah, je crois savoir d'ailleurs que le proviseur, le chef d'établissement, avait la nationalité américaine. Donc lui est blessé grave, il est encore à l'hosto, dans un sale état, alors que une des profs, elle, serait portée disparue, supposée morte, hein, vu les jours qui sont passés malheureusement. Elle sera encore actuellement dans les décombres, la malheureuse. Paix à son âme. Mais voilà, le côté positif, si on peut s'efforcer d'en voir un dans ce malheur, c'est que le bilan aurait dû, enfin dû, c'est maladroit de ma part, potentiellement, au niveau des probabilités, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd à cause de la présence des élèves et des gamins qui étaient en face dans le bâtiment qui avait flambé sur le moment, soufflé par l'explosion. Voilà. Donc, mais il y a quand même une malheureuse un victime. Mal, mais un moindre mal, c'est ça, exactement. Tu as très bien résumé mon idée et mon propos.
là. Bon, on va dire rendez-vous à l'année prochaine pour cette portion-là, en espérant qu'elle ne soit plus en travaux. Ouais. J'en ai tenu compte, ce n'est que partie remise. Parce que là, du coup, j'ai la frustration de ne pas connaître le bout de... Ouais. Bon, mais non plus, je crois que je connais pas. Je sais plus. On va sur le trait de l'eau ou on va sur le petit chemin? On est proche de ta bifurcation, je crois savoir. Oui. T'en penses quoi? Alors attends, il faudrait que je parte en éclaireur. T'es sûr? On tente là-bas. Tu fais juste à regarder là-bas après la bande. Moi, je te suis, ça fait un truc à filmer. Okay. Je suis sûr que là, devant leurs écrans, ils sont impatients de se dire, on veut aller dans le décor, ça mène où là-bas? Oui. Bah oui, c'est humain, ça, comme on dit. Là, je pense que c'est assez haut pour qu'on puisse le pencher pour passer en dessous. Avec une voiture, on pourrait passer, une voiture de sport. Oui, une sportive japonaise ultra basse au niveau du sol, on passe en dessous. Ouais. C'est ça. Ah. Aïe. Oh. J'ai percuté avec mon sac cargo. Voilà. J'ai tout saboté. Bonjour. Ah, il faut que j'aille doucement. Voici. Je vais malmener le décor aussi. Ouais, c'est la route. C'est la route, route. C'est ça, quand même, pour se déplacer, mais on verra mieux si le canal est pas loin. Je vais passer devant, je vais partir. Ouais, éclaireur, vas-y. Pars en éclaireur. In a dust. Walk away. Tiens, j'ai l'impression que la perche refuse de dézoomer. Bizarre. Ah, d'accord. Je l'avais verrouillé. Ah bah, faut que je le verrouille alors. Ah bah tiens, je viens d'apprendre un truc avec la perche. C'est vrai que j'ai pas révisé le manuel de fonctionnement. Oh bah c'est bien ici, on est à l'ombre et je retire ma casquette. Oh, je ralentis, je me sens mieux. La Neuville de Vannancy. Youhou, kilomètre zéro de la M126. Alors, ville sportive du Grand Est. Quoi? L'étiquette est valable jusqu'en 2026? Oh là là, l'organisation à la française. Comité régional olympique et sportif du Grand Est. D'accord. Voisin attentif et solidaire. C'est pas partout comme ça. Enfin bref, soupir. Choupir. Tu vois le petit pont, il est juste là, qui traverse la mer. Petit pont en métal. Ah, là-bas, oui. Non, on le verra pas, je pense pas. On va prendre le passage piéton, on verra ce que sur quoi ça nous mène. Ah, d'accord, ok. C'est la mer, t'as juste à côté. Oki doki. Ah, regarde en haut, Philippe, là-haut. Ah, oh, magnifique. Ah, oh, je savais même pas. Alors, oh, ça va. Je savais qu'on en avait près de la pépinière. Hii, c'est trop bien. Et tu sais que je les aurais pas vus. Ouais. Heureusement que t'es là, hein, parce que un coup d'œil, moi j'ai les yeux accaparés au téléphone. Oui. Je regarde la caméra souvent. Je suis obligé de voir si je cadre bien, si j'ai pas le zoom qui est parti en folie. En plus, là, je viens d'apprendre comment le verrouiller. Alors, tant mieux. Ça fera un truc de en moins à paramétrer, enfin à contrôler. Et ben dis donc, et ça vous enquiquine pas le... L'électricité? Ouais. Là, il y a forcément des ondes électromagnétiques. Ça les perturbe pas, eux. Alors là, chapeau, là. Là, alors là, je suis stupéfait. Eh bien. On a vu un petit peu ouais, le cigogno. Pareil, ils sont pas stressés avec les bagnoles en contrebas. Je sais pas comment ils font ces oiseaux pour s'adapter. Eh bien. Faire un peu de bruit. Ouais. Oh, l'oiseau qui est tombé en piqué. Qui s'est posé au sol, c'est une mésange. Ouais, il y a une complicité inter-espèce.
C'est rigolo. Ah, c'est beaucoup de tout. Allez, go. En tout cas, on va. Je crois qu'on est déjà sur Meurthe. Je sais. J'avais lu la Neuville. On a la Neuville, ouais. Alors, Neuville Maison, Plaisil, Jarville, 22, 23. Eh oui. Eh B. Ah, c'est magnifique. Bon, bah, on prend direction Jarville, si je te comprends bien. Voilà. On prend direction Jarville. Bon, je sers à droite, moi. Là, je crois que c'est mon piéton. Non, c'est l'automobiliste. Et là, le petit pont. Je vous propose d'aller à droite. Ah, on va prendre celui-là. D'accord. Ok. Attends, il y a des trucs à filmer, forcément. Il y a des trucs à filmer. La vallée de la Meurthe. Voilà, comme ça vous pourrez zoomer après. Ne dérangez pas les oiseaux, soyez discrets. Qu'ils soient de passage, nicheurs ou hivernants, les oiseaux ont besoin de sécurité et de calme. La vallée de la Meurthe leur offre cet espace. Ça s'est rejoint ici. Vous et justement, ici. C'est là, en fait. Nous, on était là. La Meurthe est là. Et en fait, le chemin qui bifurque du canal, c'est là. Mmh. Donc, je veux dire que le canal bifurque là-bas. Mmh. Donc, alors là, c'est gros choisi. Soit on va là, à la Neuville, on prend le canal, mais c'est la ville. Soit on va là, c'est la Meurthe. Tu choisis, je te fais confiance. Il faudra mettre à jour ce panneau, il faut ajouter des cigognes maintenant. Oh mon dieu, circuit numéro 9. On va aller se faire cuire un œuf. Regardez par vous-même. Yo. Attends, je filme de trop près, le truc il est en panique, il me filme en flou. Il manque le chapeau, l'Indiana Jones, là, Nayonet. Pipi-di-pi, pipi-di. Et là, il sort son lasso. Il a emprunté celui de Nash. Ah, c'est la gaine. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc noir cramé que je vois le long du tuyau? C'est la gaine qui s'est faite bouffer année après année. Eh ben, faudra réviser tout ça, les gars. Et là, ça se brise en deux. Oh non, ce serait horrible. Ah, la mort atroce, surtout que je sais pas nager. Je ne sais même pas couler. Eh, franchement, j'ai l'impression d'être dans Far Cry, là. Un avion arrive, sortez la DCA. C'est horrible, mais c'est ça. Avec moi, ce serait le pont de la rivière Quack. Ah mon dieu. Ils sont là. Le mec mauvais goût. Les Allemands sont revenus, plan qui vaut. Oh putain, le bruit. Encore que c'est la moto à côté qui fait plus de vacarme. Comment 40. Oh, c'est atroce. Ah, pensez pour toutes les victimes, nos ancêtres. Nos anciens, nos aînés. Eh ouais. Ouais. Soupir. Tiens d'ailleurs. Oh! Mon pauvre Nayonet. Je le fais suer. Il doit attendre. Oh. Attends 2 minutes. De toute façon, ça va faire 1 heure. Je vais couper la vidéo. Oui, tu as un beau pied.
quoi là-bas? Ah oui, l'antenne de Malzéville, oui, t'as raison. Tu as raison. Il y a l'antenne de Malzéville. Attends, elle est où? Parce que sur l'écran, j'aurais même plus à la voir. Alors, à vue, évidemment, à l'œil nu, je la vois. Attends, il faut juste espérer que personne ne souhaite emprunter la passerelle en même temps que nous, parce que là, ce serait le bordel. Attends, c'est quoi que je vois là-bas? Non! Oh putain, j'ai vu! Non, mais c'est l'avion de tout à l'heure que j'ai vu passer, là. Dans le zoom. Incroyable. Le monde est petit. Mais oui, que je suis un abruti, bien sûr! Il atterrit à l'aérodrome de Nancy-Essey. Eh oui, il a pris la trajectoire de la piste pour atterrir. Oh merde! Qui devait arriver, arriva. Il y a du monde qui arrive. Oh mon Dieu. Hop là. On bouge plus. Je vous en prie.